Hello French Family! Aujourd'hui, on va se joindre pour un petit challenge que j'ai vu sur la chaîne de Je ne suis pas jolie. J'ai essayé de voir si c'était déjà fait ailleurs. J'ai tapé sur internet et tout dans la barre de recherche sur YouTube et j'ai pas trouvé, donc je crois que c'est peut-être elle qui l'a inventé. Je ne suis pas sûre. Mais c'est le challenge où on doit faire tout son maquillage avec la main gauche. Bon, c'est pas forcément la main gauche, c'est la main qu'on n'utilise pas normalement. Moi, je suis complètement droitière à 100%, donc ça peut être catastrophe. Ou je vais vous surprendre et j'aurai un talent d'artiste avec la main gauche que j'ai pas encore découvert. On va voir ça ensemble. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, maintenant c'est un peu le moment parce qu'il y a peut-être deux grandes annonces qui vont être annoncées pendant les deux semaines qui arrivent. Et je vais vous donner d'abord les indices sur Instagram et il y a même une nouvelle où je vais vous l'annoncer en bonne heure sur Instagram avant de le mettre sur ma chaîne. Donc tous les vrais ils seront là sur Instagram et j'ai trop hâte de vous annoncer ces deux choses parce que ça fait un petit moment pour les deux que je garde les secrets et ça va être vraiment fun. Donc pour les petits indices, allez sur Instagram, il n'y aura pas aujourd'hui normalement, mais dans les jours qui arrivent, il y aura en a plusieurs. Alors il n'y a pas très longtemps, au moment où je filme ça, c'était hier, mais quand vous regardez ça, je ne sais pas à quelle date on serait. Je suis allée sur Paris pour faire un tournage et j'ai pu rencontrer plein de grandes youtubeuses. J'étais juste avec les étoiles aux yeux et tout. J'ai rencontré Aurea, donc vous savez, moi je trouve cette fille super, j'étais trop contente parce que je le suis depuis longtemps. C'est une de mes préférées parmi les françaises. J'adore beaucoup des youtubeuses françaises, mais elle fait partie des préférées. Et j'ai amené mon propre maquillage. Je vais utiliser les mêmes produits que j'ai utilisés pour cette shooting, plus ou moins. Je vais pas faire le même look, mais les mêmes produits. Donc vous verrez ça maintenant. Je vais même essayer d'ouvrir les bouteilles et tout ça avec la main gauche pour justement faire tout l'opposé pour voir si j'arrive. Oh, il y a plus là-dedans que je croyais, je pensais que j'en avais plus. Donc ça, c'est le Matte Velvet Plus de chez Makeup Forever. Et j'ai appris par rapport à ces fonds de teint sur la chaîne de Makeup par Tiffany D. Tout au début de YouTube, ça fait des années. Ça faisait longtemps, j'ai trop envie de changer de main en fait, juste par instinct. Oh, je suis nulle. J'ai toujours voulu tester ce fond de teint. Je l'ai pris il y a 1 ou 2 ans. Et je l'aime trop. Je dois le jeter bientôt parce qu'il est presque à la fin de sa vie. Mais bon, il y a presque plus de produits aussi. Mais même si je l'applique mal aujourd'hui, sachez que ça c'est le fond de teint que j'adore. J'entends jamais parler sur YouTube. On entendait un peu à l'époque sur YouTube américain, mais pas sur YouTube en France. Si vous essayez de réaliser cette challenge aussi à la maison avec peut-être avec un ou une amie aussi, ça serait cool. Mais surtout, j'aimerais bien que vous le testez, vous essayez d'arriver juste avec le main que vous n'utilisez pas d'habitude et m'envoyez des photos. Soit sur Snap, soit sur Instagram. Oh, je suis super pâle. Je suis très pâle, mais vous allez voir, c'est la même couleur que mon cou ici. Mais on va tout réchauffer avec le bronzer. J'ai l'air d'un petit enfant qui essaie de faire la peinture là où ils n'arrivent pas encore à correctement tenir le pinceau. Ah, anti-cerne. Yes, l'ouvre avec la main gauche, là il n'y a pas de souci. Ça c'est celui d'Estée Lauder. En tout cas, j'avais oublié de vous dire les noms des produits, mais j'en mettrai dans la barre d'infos comme ça. Vous pouvez les découvrir. Ça c'est beaucoup trop, mais j'avais du mal à doser du coup. J'aime pas les vidéos quand les gens ils arrêtent, pas de regarder dans le petit retour là sur le côté. Ça fait, je trouve ça fait un peu chelou parce que la personne ne vous regarde pas. Mais là, pour cette vidéo, j'arrête pas de regarder parce que je trouve aussi qu'il y a un problème avec la couleur dans cette vidéo. Je sais pas. Ah, je suis trop bizarre. Ok. Oh là là. Ça donne un effet pas du tout naturel parce que j'en avais du mal avec le finesse pour le bien estomper comme il faut. C'est pas beau de près. On voit trop la texture de la fond de teint et je déteste ça. J'aime pas qu'on voit la texture. Oh. Mon kit contouring préféré de Smashbox. Là, on va remettre un peu de couleur sur mon visage. J'espère. Il faut que je le tiens avec cette main-là. Celui-là, c'est le kit contouring. À côté, c'est le bronzer qu'on ferait juste après. Ok. N'oubliez pas vraiment à m'envoyer votre photo hein, pour que je fasse pas le ridicule à toute seule. Oh, j'avais pas dit. Ça, c'est la petite poudre vanille. J'adore les poudres vanille pour sous les yeux parce que ça aide vraiment à cacher les cernes. Et ça fait un highlight, mais sans faire des paillettes et tout ça. Le blush, c'est Luster par Nars. C'est le seul blush que j'ai de chez Nars. Okay. Moi, mon plus grand problème avec le gauche, là, c'est de doser. Déjà, l'appliquer sur le bon endroit, c'est pas évident. Mais là, c'est doser, ça... C'est un peu la catastrophe. Tu fais peur là, avec les yeux tout blancs, tu vois, comme ça, mais... On espère avec le... Ah, je fais tomber les choses. J'espère avec les fards à paupières, ça ira mieux. Fards à paupières, là c'est un petit kit Wet n Wild qui est classique, qui fait l'affaire, que j'aime beaucoup. Et qui nous disent, c'est écrit avec les lettres juste ici sur chaque couleur où vous pouvez le mettre pour faire un look un peu complet. Donc là, on va faire le crease. I did it wrong, darn it. J'ai commencé avec la main droite, mais c'est pas grave, je me rattrape. Oh, it's not nice. It's really hard. En fait, j'ai tout de suite l'habitude de remettre pour mettre là où ça fait plus à l'aise. Il faut pas.
Ça, c'est pour la paupière. Bon, moi, je vais dire que ça aurait pu être pire, hein, mais que c'est pas bien du tout, du près. Et là, on arrive au moment où ça peut vraiment faire la catastrophe. Les sourcils. Where is my little... Ok. Déjà, quand je fais les sourcils normalement avec ma main droite, ça va pas très bien. Je suis toujours un peu déçue avec le résultat. Alors, avec la main gauche, j'ai pas confiance, je vous l'ai dit. Oh, d'ailleurs, je regarde en bas parce que c'est là où c'est mon miroir. Alors, ça aurait été plus logique de choisir un poudre ou un produit qui s'applique facilement. Mais ça, c'est le produit que j'utilise normalement pour faire mes sourcils. Oh, punaise. On dirait Cara Delevingne si elle appliquait ses sourcils pendant qu'elle était un peu bourrée. Ah, ça va pas, ça. Encore, je sais pas. Parfois, sur caméra, les choses apparaissent un peu plus naturelles qu'en vrai. Mais quand vous allez voir de près tout à l'heure, quand j'amène le truc, vous allez dire « Oh, punaise. Oh, punaise, c'est grave. » On dirait que j'ai pris un Sharpie marron et je me suis fait « crrr, crrr. » Promis, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Crayola. Oh, gosh. Oh, faut vraiment pas que je casse mon bras droit ou ma main droite parce que là... Les cils... Oh, j'ai peur de m'enlever toutes les cils. Oh. Ils sont pas bien courbés, mais au moins j'en ai pas perdu, donc on va laisser comme ça. Seal Sensational par Maybelline, parce que je me suis dit, bon, si on va y aller, je vais pas prendre un truc naturel, on va aller à plein force. Ok, ça, ça aurait pu être pire, mais je trouve que c'est toujours quand j'utilise ma main gauche sur le côté droit que j'ai le plus du mal. Un peu sur mon nez, c'est plus mignon comme ça, non? Ok. Un pouce vers le haut si vous aussi vous appliquez le mascara avec la bouche ouverte. Pas très classe, ça. Bon, j'arrive pas à enlever la petite tache noire de mascara, donc on va la laisser. Super. Et pour le rouge à lèvres, j'allais pas faire les choses à moitié. J'ai pris Heroin de MAC. C'est une couleur très très pop. Et normalement, il faut bien un liner, il faut bien l'appliquer très soigneusement pour éviter d'avoir un effet... Ok, here we go. Ok, ça c'est horrible, mais on aurait pu faire pire, je pense. Ça va, c'est juste, c'est pas... De près, ça va pas trop en fait. Oh dear. Et vous en direz quoi? Oh, moi j'adore cette couleur par contre, je trouve ça juste magnifique. Je vais peut-être porter dans d'autres vidéos que je vais filmer aujourd'hui, puis il y a mieux à appliquer du coup. Bon, j'espère que ce petit challenge vous aura plu. En tout cas, c'était super super amusant de le faire. J'ai appris qu'il faut absolument que je protège mon bras et ma main droite si je veux continuer à faire du maquillage, parce que là, je suis pas très satisfaite des résultats, n'est-ce pas? Sinon, n'oubliez pas de me aller joindre sur Instagram, parce que surprise, bientôt, c'est quelque chose que je voulais vous dire depuis longtemps. Et maintenant, les indices, ça peut commencer à arriver. Voilà, je vous aime trop trop forte et j'ai très hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Ciao!